Nos animaux seront-ils avec nous au paradis? Le Seigneur répond. 4 août 2005, la parole du Seigneur adressée à Timothy pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Question posée par Timothy pour son neveu. Seigneur, est-ce que nous aurons nos animaux de compagnie avec nous au paradis? Le Seigneur a répondu. Écoute et comprends, car le pouvoir de Dieu est révélé à travers le Fils. Car le Fils est tout en tout, comme le Père. Il est en moi et je suis en lui. Nous sommes un. Bien-aimé, toutes les choses qui sont et ont été créées l'ont été à travers lui et pour lui. À travers lui, toutes choses ont pris forme et rien dans la création n'a été créé en marge de lui. En lui, toute chose consiste. Bien-aimé, c'est écrit. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu. Personne n'a imaginé toutes les choses que j'ai préparées pour ceux qui m'aiment. Alors demande et certainement tu recevras. Car cela va effectivement se produire en ce jour. Avant même que tu m'appelles, je vais répondre. Et alors que tu es encore en train de parler, je t'entends. Car mon amour est une fontaine débordante qui restaure toutes choses, même jusqu'à vos animaux bien-aimés. Regarde, la restauration arrive. Elle arrive rapidement. Toutes choses restaurées comme au commencement. Un jardin où rien n'est détruit et aucun n'est donné à la destruction. Plus de douleur, ni de larmes. Plus de maladie, ni de mort. Seule la vie restera et elle sera là pour toujours, dit le Seigneur.